Jean-Baptiste, en quelques mots, Naomi Jean-Baptiste, c'est un petit bon Dieu. Voilà, et de mère chrétienne, on peut dire d'un missionnaire, de yon papa et pasteur qui malheureusement quitté ça déjà. Et moi, j'espère que les bras papa. Naomi Jean-Baptiste, c'est un monde qui gagne la joie de vivre. Et même si j'ai un problème, quel que soit le tracas que j'ai, je ne pas vraiment connaître parce que dans toujours d'ailleurs, moi toujours appris, c'est toujours chéri, chouchou, mon amour. Alors, moi né en Haïti, né en petit quartier qui relait la plaine, dans fontaine, qui plus vers Croix des Bouquets. Et depuis tout petit, moi parti en Guadeloupe, voilà, avec tous mes parents, voilà, pour des problèmes, nous avons des problèmes pays déjà. Et moi, j'ai fait en Guadeloupe, moi, je dis que Guadeloupe, c'est Guadeloupe, voilà, qui moi, je dis en quelque sorte, qui fait le monde que moi, j'ai aujourd'hui. Hein. Et moi, j'ai un pile de reconnaissance justement par rapport à pays ça qui m'a mis éducation aussi. Et après, je suis venu à l'âge, voilà, je suis venu partir en Martinique, je suis marié avec un Martiniquais. Je fais deux petits mounes avec Martinique et ça. Je fais quelques années voilà, en Martinique avec elle. Ensuite, je fais une jambe pour la France. Côté que les mouvements de la France, moi toujours été dans le milieu médiatique, là, dans le milieu culturel là, et moi prends un pile plaisir. Alors pour mon cap garder reportage ça, sinon garder figure ça peut-être comme des chapeaux, nous pas bien reconnaître moi, ma font tirer pour nous carré. Alors c'est Naomi Jean-Baptiste, Zomi Panouan, dans show tribunal populaire. Sur HLive TV, qui est la première chaîne de télévision haïtienne d'Europe. Moi, animé également une émission sur la radio RSI, Radio Sud International. Qu'est-ce que c'est Vision culturelle? Côté que m'a toujours mis voilà, culture pays moins en avant. Moi, également animatrice dans une radio que les Radio Canal Plus Haïti, qui émet en Haïti et de par le monde. Dans une rubrique Naomi Hebdo Show. Moi, c'est danseuse aussi. Moi, je danse en pile. Moi, c'est danseuse. Moi, c'est chorégraphe. Moi, j'ai un site également, un site culturel, côté que moi, j'écris des articles assez souvent. Les gars, un événement dans la communauté haïtienne. Moi, j'écris un article après pour montrer comment ça passe. Les compagnies qui passent en Haïti aussi, moi, j'écris ce site-là aussi, qui c'est www.naomijeanbaptiste.com. Moi, c'est présidente aussi de l'association Pêche. Une association qui est créée depuis 2011, moi m'oublier, voilà, qui gagne entre 8 ans à 9 ans à peu près. Et au sein de l'association, ça, nous gagnons ballet. C'est ballet ça justement que nous faisons garder. C'est le ballet traditionnel pêche. Côté que nous mettons en avant culture pays par nous, que c'est Haïti. Mais nous pas rester seulement voilà, sur culture haïtienne. Non, nous aller ailleurs, nous aller en Afrique, nous aller au Bénin aussi. Et nous aller en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Alors, quel que soit aux États-Unis aussi, parce que nous faisons un peu de hip-hop aussi, nous faisons théâtre, nous chanter aussi. Et quel que soit, comment dire ça encore, quel que soit, voilà, mon nom et nation hein, qui t'a gagné en prestation. Qui t'a voulu faire appel avec Baléa. Baléa essaie de gagner un répertoire qui est assez riche voilà, pour nous faire face à toute situation. Nous dansons dans l'église aussi et nous gagnons justement très bientôt une prestation avec l'évangéliste Wisseline. Voilà, côté que Baléa va faire des belles danses, habillées tout de blanc. Ah, belle bagaille nette. Les filles, c'est bon, vous êtes là? Alors, ce qu'on va faire? Vous allez suivre Cindy et moi, d'accord? On va faire ce pas-là. Le premier pas, c'est pas comme ça. C'est l'œil en valou. On se laisse bercer par la musique. Pas comme ça. Tac. On fait à droite. Tac. À gauche. À droite. Et les pieds aussi doivent suivre le mouvement. D'accord?
Alors, on passe avant et après, vous allez suivre. D'accord? Alors Petro, c'est tout comme nous qui danser, mais Pierre, mouvement Pierre, faut que nous fassions comme ça, tac, pac, nous pivoter à gauche, nous pivoter à droite, pivoter à gauche, nous... et puis faut que corps à suivre, faut que rien bouger en même temps, et puis main bouger aussi, épaule là aussi, même figure nous même peut bouger aussi, tac, parce que la danse c'est la joie, c'est la gaieté, les nappes danser faut que nous pas mauvais. Faut que vous ne pas marrer, faut que nous rions. C'est bon? La danse représente beaucoup de choses pour moi. Et lorsque je suis fatiguée, épuisée, lorsque j'ai un problème, je danse. La danse, c'est la joie et la gaieté. C'est une façon d'exprimer, voilà. Je peux dire que j'ai débuté la danse à l'église parce qu'il faut dire aussi que les enfants de Dieu, les chrétiennes aussi dansent. Voilà, on fait des chorégraphies lors des conventions, des fêtes. Et voilà, j'ai commencé à danser à l'église et ensuite j'ai commencé, voilà, j'ai continué avec un groupe qui s'appelle le groupe Combit Racine en Martinique qui est dirigé par M. Colin Inol. J'ai laissé le groupe Combit Racine pour le groupe Racine Naye. C'est toujours la musique traditionnelle, la musique folklorique avec Monsieur Max. Ensuite, j'étais également dans le groupe Nouvelle Génération Tout le monde jeune. Et arrivé en France, j'ai intégré l'association Haïti Chérie dirigée par Monsieur Mathieu Souverain. Toujours la danse traditionnelle, la danse folklorique. Et j'étais aussi avec Hibiscus. De Hibiscus, je suis passée à Kounsenakay. Et ensuite, voilà, j'ai créé voilà, mon association voilà, Pêche, promouvoir ensemble la culture haïtienne ainsi que la culture afro-caraïbéenne. Et puis je danse. Mon grand goût, me danser. Quand je suis content, me danser. Quel que soit dans toutes circonstances, me danser. Depuis me danser, moi, billet, tout souci, tout stress, tout angoisse. La biguine qui vient de la Martinique. Et puis, c'est la biguine. Et cette danse, là, ça va être le mabello. Le mabello, c'est pour piquer. Le mabello, on fait. Mabello, faut dire qu'il s'appelle. Mabello, ça fait. Zip, zap, pop. Alors, on tient fort sa cavalière.
bien bien. En commandant. Et par rapport à la personne que tu es, une personne publique. Mes amis, et question ça redonne puis oui. Alors, comment me sentir ça qui dit force mon café. Et avant que moi pose nos questions et Gusli, ma font une parenthèse avec Guadeloupéen. Guadeloupéen qui musique, qui danse traditionnelle, yogin akayo, yogin gros cas. Les en Guadeloupéen dansent gros cas. Que chrétien, que catholique, que pas dire païen, quelle que soit religion, yo danse dans Goka avec une certaine de fierté parce que Goka c'est pour vous, c'est dans traditionnel païen. Les Martiniquais a danser Begin, Mazoka ou quadrille. Yo danse dans ça avec un peu de fierté, même si vous êtes chrétien, c'est pas un problème pour yo parce que danse là c'est dans ce pays yo. Tandis que laissez un haïtien qui a dansé dans folklorique ou danse traditionnelle, yo toujours est relié de dans ça yo avec vaudou. Pourtant ça n'a rien à voir. En chrétienne pour moi ça c'est conception pam. Pour moi, yon chrétienne qu'a dansé danse traditionnelle. Parce que moi c'est chrétienne, moi c'est petit ton pasteur, un petite dame missionnaire, moi né dans l'évangile, moi baptisé également. Ça va empêcher me danser danse traditionnelle la caille moi parce que Guadeloupe en pas rentre danser danse la caille, Martinique en pas rentre, Guyanais pas rentre danser comment yo danse encore piqué. Mais pour raison moi même pour moi danser danse traditionnelle la caille moi. Voilà.
C'est ça me voulait faire et tout téléspectateur qui a regardé mon portail, ça comprendre que dans ce nom, c'est un bagage qui est universel. Parce que dans la Bible, nous disons que David, c'était un grand roi, David te remé danser. Nous ne connaissons pas qui danse que David te connaît danser. Nous ne connaissons pas est-ce que David te connaît danser Boléo, est-ce que te connaît danser Kadri, Mazuka, est-ce que te connaît danser Petro ou Ibo. Nous ne connaissons pas danser à universel. Pour moi, ça c'est conception. Pas ma dire encore. Il y a une chrétienne qui a dansé, voilà, on danse traditionnel. Au sein de l'association, au sein de ballet traditionnel pêche, nous avons des adventistes, nous avons des évangéliques pour moi-même, nous avons des catholiques aussi. Nous avons toutes sortes de religions et ça va empêcher nous de mettre en avant la danse traditionnelle la caillou. Moi, j'espère que je réponds à une question parce que c'était un gros bout de temps de question. C'est bon, vous êtes prêtes les filles pour la rabodaille? Venez. Alors, les filles, là maintenant, on va faire la chorégraphie de la musique rabodaille. Okay. Alors, rabodaille, c'est qui sont de danse liée? Qu'est-ce qu'on qui danse liée? Bah, danse la jeunesse. Aïe, 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 danse la jeunesse. Cindy frappé. Bravo, Cindy, voilà, danse la jeunesse. Danse Cindy. Alors, c'est en danse de la joie, de la gaieté, jeune yo. Là, au pas grand, il faut faire la caillou, il y a dans la ria, dans tes souris, tout côté, voilà, pour danser rabodaille. Alors, comme son danse de la joie, de la gaieté, il a dansé, il faut tout dans, dehors, il faut nourrir, il faut que nous laguions le corps, nous ne pas faire comme ça. Voilà, c'est nous pap, et pap, 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 et pap. Fais pas vraiment, d'accord? D'accord. Ok. Est-ce que nous prêts? Oui. Est-ce que nous prêts? Oui. Thank you.
son association qui est ouverte à tout le monde. Alors, nous pas fait exception de nationalité, d'origine, quel que soit mon nom qui t'a fait intégrer l'association, association grande ouverte. Le ballet aussi, c'est pareil. Alors, s'il y a voilà, une Antillaise, une Africaine, une Américaine, quelle que soit la personne qui aurait aimé intégrer le ballet traditionnel pêche, la porte est grande ouverte, voilà, et on vous attend. Alors, est-ce que je peux donner un numéro de téléphone, même si ça va s'afficher à l'écran? Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 95 38 96 74. Alors, ce serait affiché à l'écran. Ou sinon, il y a possibilité de me contacter sur ma page fan sur Naomi Jean-Baptiste. Dès que vous tapez Naomi Jean-Baptiste, N-A-H-O-M-I-E, vous allez voilà, me retrouver. Et puis, le ballet aussi a et, son compte Facebook, c'est Association Pêche Haïti de France. On vous attend et inscrivez-vous. Et quel que soit le compte de nous passer, nous trouvons Naomi Jean-Baptiste. Si nous contactez H-Live TV, nous trouvons. Contacter le tribunal populaire, n'a trouvé, quel que soit, si nous voulons intégrer ballet traditionnel pêche, voilà, contactez, n'a trouvé. Bonjour, je m'appelle Tammy, je fais partie de l'association traditionnelle, ballet traditionnel pêche depuis une semaine et je pratique également du chant dehors dans une association. Je dis honneur à tout le monde. Nous sommes Kébiesou, notre commune est capitaine longtemps dans la communauté haïtienne de France. Je fais partie de l'association pêche depuis 2 mois. Bonjour, je m'appelle Lydia. Je fais partie du groupe traditionnel pêche depuis plus de 5 mois. Donc, je suis chanteuse, danseuse. Hello tout le monde, je suis Destiny Antoine. Ça fait peu de temps que je fais partie de cette association ballet traditionnel pêche que Naomi Jean-Baptiste est la présidente. Et je profite également pour dire que j'aime danser. Ça fait longtemps que je voulais danser en France, mais je ne trouvais pas une activité ou bien une association pour danser. Là, je suis trop contente de faire partie de ce groupe. Bonjour, je m'appelle Swan, j'ai 11 ans. Je fais partie du ballet traditionnel depuis 2 mois. Et je suis chanteuse, humoriste et comédienne. Voilà. Bonjour, je m'appelle Maëra. J'ai 8 ans et je fais partie de l'association pêche depuis 2 ans et j'aime danser et j'aime le chant. Bonjour, je m'appelle Shaina Jean-Baptiste, j'ai 11 ans. Je fais partie du ballet traditionnel pêche depuis 4 ans et en dehors du ballet, je suis animatrice de radio et je fais du piano et du théâtre. Bonjour, moi je suis Kimberly. Je fais partie du groupe traditionnel pêche depuis 6 mois et moi je suis danseuse, moi je suis actrice. Bonjour, je m'appelle Kimberly, j'ai 11 ans, je fais partie de l'association traditionnelle pêche. En dehors de ça, je fais de la danse, de la gym et du piano. Bonjour, moi c'est Alessia, j'ai 10 ans. Et moi c'est Félicia, j'ai 5 ans. Nous sommes des sœurs et nous faisons partie du groupe ballet traditionnel pêche depuis quelques temps. Nous apprenons à danser et nous sommes contents de représenter Haïti. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis guadeloupéenne, mais comme j'aime bien la culture haïtienne, c'est pour ça que depuis les débuts de l'association Pêche, je suis l'association, je suis danseuse, comédienne, et voilà. Bonsoir, je suis Cindy Jean-Baptiste, danseuse et co-chorégraphe de l'association Pêche. Je fais partie de l'association Pêche depuis plus de 6 ans, c'est-à-dire depuis le début de la création de l'association. En dehors de l'association, je fais du piano. On a respect la société, comment nous y est. Depuis le temps de voir ça, nous envisage ça. Nous connaissons déjà ces hommes par nous, Naomi Jean-Baptiste. Alors, moi, je suis content pour entrer la caille aujourd'hui. Alors, moi, je présente déjà, nous connaissons déjà, tout le monde dit pour comprendre mieux. Moi, c'est présidente association pêche, qui veut dire promouvoir ensemble la culture haïtienne. Mais, mis à part la culture haïtienne, nous englober la culture afro-caraïbéenne. Association ça a lié près de 9 ans à peu près. Et nous fait 5 ans que nous sommes très actifs.
Et puis, comme moi, fais radio, télévision, autre chose, moi, j'ai fait une pause avec l'association. Alors, moi, j'ai un bon ami, un coach, moi, qui est Nathalie Atou, il dit que ça, là, on ne peut pas arriver à comprendre. On a toute activité, tout le monde a fait un bagage, il y a Naomi Jean-Baptiste, pour présenter, pour parler, pour promouvoir l'association. Et tandis que vous-même, ou grand association, vous mettez en sommeil. Et regardez, c'est un monde qui est très autoritaire. Regardez, débrouillez-vous pour mettre l'association sous pied ainsi que Baléa. Et bien, ça te dit, pas de passer dans un rayon sourd. Moi, je prends conseil, moi, je commence à faire des appels voilà, sur les réseaux sociaux, que moi, je suis danseuse, moi, je suis membre d'association. Et puis, grâce à conseil et grâce à Dieu aussi, il faut que nous prenions quelque chose à ça à faire, je mets des bons dieux en avant. Et nous gagnons un bel balai, nous, au moins à 18. Et nous avons deux voilà, qui sont enceintes, voilà, qui vont venir, et deux autres voilà, qui sont disponibles. Mais nous avons une très belle équipe, une équipe soudée, côté que Maman Danseuse fait partie également de l'association, que toute activité que nous avons faite, que les parents ont toujours suivi nous, et Danseuse Jo est vraiment gentil, bien éduqué. C'est comme si, que, mis à part de la famille Jean-Baptiste, moi j'ai gagné une deuxième famille, c'est la famille Pêche. Alors, avant que vous connaissiez que un producteur a grand pile question pour le poser, mais pas me parler trop, mais m'a profité justement remercier production. Alors, non production, nous parlons voilà sous caméra. M'a profité également saluer caméra maintenant qui c'est Gus Licunet et aussi remercier le restaurant aux ananas qui va nous belle salsa pour nous répéter. Tous les samedis et tous les dimanches, voilà, ici. Hein. Et puis, remerciements sans oublier Madame Nathalie Atou. On verra, mon billet dit, Nathalie Atou dit comme ça que, même gens que ou bien temps pour faire radio, ou bien temps pour présenter événements, ou bien temps pour faire télévision, c'est même gens que ou bien temps aussi pour association. Non. Et tandis que c'est lui-même qui détruise télévision, garder conseil. Voilà, que les bonnes. Alors, ma première c'est en pile. Et puis, un autre remerciement à Madame Marie et Méroline aussi, qui va nous plusieurs prestations. Alors, c'est Naomi Jean-Baptiste, famille ça. Bonjour, je suis Annie Sylvestre. Je suis la maman de deux danseuses de ballet traditionnel Pêche. Bonjour, je m'appelle Naomi. Je suis la maman d'une des danseuses de l'association Pêche. Je les accompagne dans tous les événements, dans toutes les prestations. Et voilà. Bonjour, je suis Marie-Virginia, la maman des deux filles, Alexia et Félicia, qui ont parlé tout à l'heure. Donc, je suis contente de rejoindre l'association Ballet Traditionnel Pêche. Et je suis mes filles partout où elles passent. Et contente également de faire partie de cette famille avec Naomi Jean-Baptiste. Tu m'as dit,